Bienvenue, on se survole du 24-8, mais 17, c'est pas 24-8-6. Vous êtes bien sûreté éternelle. Alors, par quoi je vais commencer? J'ai pas de truc à dire. La planète des singes, je l'ai déjà dit hier, c'est les gens du pouvoir. C'est les reptiliens. Je vais commencer. La vie est une combustion. La croix, c'est ton repère orthogonal. C'est ton espace-temps. Si tu es sur Terre pour faire que de la merde, pour penser qu'à ta gueule, c'est pas la peine. Tu vois ? C'est une histoire de formatage de disques mous. Tu vois. D'ailleurs, j'ai regardé la moitié de l'Évangile de Saint Jean. Un film, il dure 3h03. Pas mal. Hein. Tu as la moitié, après, je t'ai mort. Alors, récap. Tu nais au point A, tu meurs au point B. Ça, c'est horizontal. Ça, c'est la vie de ta viande. L'histoire de l'abscisse et l'ordonnée, des repères orthonormés, c'est que dans l'autre sens, c'est la vie de ton esprit. Merci. Et l'esprit, il faut le faire monter. Et vous le faites tous descendre par le mensonge, l'argent, la corruption, le pouvoir. Tous les gens du pouvoir sont coupables de crimes contre l'humanité, tous, sans exception. Tous sont des collabos de système. Ils aiment vendre leurs âmes. Peut-être parce qu'ils savent pas qu'ils en ont une non plus. C'est pour ça que je dois rédempter. Mais il n'y a pas grand monde au portillon pour la rédemption. Moi, je suis pas normalisé, je suis pas normalisable, je suis pas numérisé, je suis pas numérisable. Quand tu es dans le ventre de ta mère, il fabrique des organes, il se fabrique de tout. Quand t'es pote avec tes organes, c'est-à-dire ça, un Christ, t'es jamais malade. Quand tu ressens tes molécules, c'est un peu comme au yoga, quand tu fais le tour de ta viande, de ton cyborg. L'être humain, c'est la plus belle machine qui puisse exister. Enfin, la plus belle machine. Avec un esprit et tout. Mais les animaux, faut pas croire, il y a toujours un esprit d'ensemble, un esprit de groupe, un esprit de quelque chose. Attends, comment dire ça? Chaque organe a une combustion propre. Tes yeux, ils font du caca des yeux. Tes oreilles, ils font du caca des oreilles. Ton nez fait du caca du nez. Ta bouche, elle fait du caca de la bouche. Ton cul fait du caca de la merde. Ça, c'est le réacteur. Tes pieds, même, ils font une combustion. Tout. Le tout, c'est qu'il faut raisonner pour le devenir de l'ensemble. L'individualisme, ça n'a pas du tout. Les monothéistes, ça n'a encore pas du tout. Il va falloir faire des mises à jour, des disques au monde. On efface tout, alors comment ? Chiant ce connard en scooter, en plus ça pue. Tu vois le truc? Il faut comprendre qu'il y a 90% du cerveau qui vous sert à rien, c'est la subconscience. Si tu ne demandes pas à l'esprit, il viendra jamais te voir. Il faut peut-être qu'il vienne, tu ne te rends pas compte. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Je parle de la synchronicité, la synchronisation dans l'espace-temps. Comment je vais t'expliquer ça? Les fourmis, ils n'ont pas de fiche de paye. Elles ont toutes du boulot. Nous aussi, on a tous du boulot. On est agents de maintenance de planète. Ouais. Mais les gens du pouvoir, ils détruisent tout.
pourquoi on ne dit pas que le sida c'est inventé par l'armée? Pourquoi on ne dit pas que les maladies à la con c'est inventé par l'armée? Pourquoi on ne dit pas que c'est que du mensonge, le 11 septembre, le projet ARP, le tsunami, les machins, tu vois? Et vous, vous gobez la pollution électromagnétique. Moi, je me suis engueulé avec Tata, du coup, j'ai rendu son téléphone. Qu'est-ce que je suis bien sans télé, sans téléphone? Moi, je fais ma télé, c'est télé éternelle. Quand j'ai mis la télé, il n'y a que de la merde. Je fais ma musique, parce que je fais ma musique. Parce que j'ai des astropotes. Parce que t'allumes la télé, la musique, il n'y a que de la merde. Bon. Maintenant, il faut changer le système, là. La Bible, c'est génial, mais maintenant, il faut faire des mises à jour. Le Coran, c'est génial, maintenant il faut faire des mises à jour. Il y a le truc des brames qui était génial, 400 pages le bouquin. Et lui, ouais, les bouddhistes, les, je sais pas, les tibétains, les machins, hein. C'est génial. Comment tu veux dire? C'est comme les bagnoles. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs constructeurs. Mais sur la route, pour rouler dans le même sens. Tu vois, il y a plusieurs motorisations. C'est super simple à comprendre. Même un gosse de 3 ans, il pourrait comprendre. Seulement, sur Terre, vous faites que de la merde. Pour de l'argent. Comment que je vais dire ça? Tout ce qui est fait pour vendre, profit, bénéfice, c'est de la merde. Maintenant, tout ce qui est fait pour durer toute la vie, les premières motos de l'armée allemande, c'est les domaines qui les ont rachetés, les premiers BM. Ils étaient incassables, ils duraient toute la vie. Alors après, ils n'en vendaient plus. Vous avez fait de cette planète un business, un show business. Moi, je suis l'acteur de mon film, tu vois. Et comme j'ai le temps de réfléchir, les 90% de mon cerveau, il tourne tout le temps, ça analyse. C'est un disque mou qui tourne franchement, qui pense pour le devenir de l'ensemble. C'est pour ça que j'étais crise de niche. Comme ça, hein. C'est pas arrivé par hasard. Hein. C'est arrivé le 1er janvier 2008 vers la 11e heure, c'était un lundi. J'ai reçu tout l'amour de Dieu dans la gueule, je te dis. Et depuis ça tourne, ça s'arrête pas. J'avais trouvé ma Vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici. Pom, 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 pom. Tu vois le truc? Là, la nouvelle loi de travail, c'est quoi ces conneries? Tu prends un salarié, tu peux le mettre dans l'entreprise que tu veux, sans qu'il y a du boulot ou non. Si c'est à 50 bornes, c'est pas grave, c'est tout bénef, c'est lui qui paye l'essence. C'est quoi cette connerie là? Tu vois, là, il y a la loi, le connerie. J'avais mis l'autocollant. Là. Tu vois le truc? Oh. Ah, il y en a mort. C'est quand la putain de révolte? Qu'elle soit planétaire. Hein. Quand on change le système d'exploitation. Non. Vous n'avez pas marre de dormir, d'être enfugué. Déjà en conscience, vous avez rien, mais alors en subconscience, il n'y a carrément rien du tout. Quoi. Tu vois. Comment tu veux faire? C'est l'évangile selon moi-même. Tout est l'éternel. Déjà, ça commence, ça se lit à l'envers. Il faut partir d'en bas. Ça monte au fur et à mesure des jours. Mais j'élève l'esprit. En haut de la croix, prends tes quatre carrés. T'as le cœur et t'as le carreau. Le droit, la justice, l'amour, tout ça. En dessous de la ligne de flottaison, t'as le pic et t'as le trèfle.
Ça, c'est le mal, le mensonge, l'argent, la corruption, la vanité, enfin, tous les mauvais défauts. En haut, c'est tous les bons. Le but du jeu, c'est d'essayer d'être au-dessus de la croix, au-dessus de la ligne de flottaison. Sinon, c'est t'as vendu ton âme. L'argent. Donc au mal. Pas compliqué. Hein.